remonter l'histoire aux années 60. Pourquoi les années 60? C'est l'époque où en Amérique latine se multiplient donc les coups d'État, les dictatures. Et au Brésil, en 1964, Paulo Freire, un pédagogue brésilien, mène une vaste campagne d'alphabétisation conscientisante, qui touche pratiquement 2 millions de personnes. Survient le coup d'État donc de 1964, fomenté par la CIA américaine, et Paulo Freire doit s'exiler. Et il va s'exiler en Europe. Et en Europe, il va fonder deux instituts. À Paris, il va fonder l'INODEP, qui est l'Institut œcuménique du développement des peuples, où il va former des militants des quatre continents sur les concepts de conscientisation, d'éducation populaire, mais aussi d'enquête conscientisante. Moi-même, donc en 1976, je vais suivre plusieurs sessions sur ces concepts donc, de conscientisation, d'éducation populaire, d'enquête conscientisante. Les Frères des Hommes donc, me demandent d'ouvrir un projet donc, en Bolivie. Et ça va être l'occasion pour moi de mettre en pratique ce concept d'éducation populaire en milieu paysan. Nous nous adressons donc à une ONG bolivienne qui fait de l'éducation populaire, qui s'appelle ACLO, qui possède donc un journal paysan, qui possède une radio en quechua, qui fait de l'alphabétisation conscientisante et aussi qui fait de la formation aux coopératives. Et pendant une huitaine d'années, nous allons travailler en milieu paysan sur une dynamique d'éducation populaire. Quand nous prenons notre retraite, donc mon épouse et moi, nous créons l'association Horizon 19 avec la perspective de mener une action de solidarité avec la petite paysannerie quechua des Andes boliviennes. En 2012, nous faisons un voyage de reconnaissance et nous réactivons donc notre réseau amical et nous découvrons la communauté de Morado Casa. Cette communauté, à 2800 mètres d'altitude, possède une ex-hacienda en ruine. Les paysans rêvent d'en faire un centre de formation. Nous décidons donc de rédiger un projet, de chercher donc un financement pour rénover cette ex-hacienda et d'en faire, selon les vœux des paysans, un centre de formation paysan. Nous trouvons un financement donc auprès du conseil régional de Limousin et durant nos séjours, à raison de 3 à 6 mois par an, c'est moi-même donc qui vais piloter les travaux de rénovation avec un chef de chantier qui est un paysan de la communauté. Nous payons donc une équipe de maçons. La communauté de Morado Casa fait des travaux communautaires. Et durant 3 ans, nous allons rénover cette ex-hacienda pour en faire le centre de formation paysanne Rikchavi, ce qui veut dire donc l'éveil. Et nous en profitons pour viser donc les communautés paysannes qui sont adhérentes d'un syndicat paysan qui regroupe une douzaine de communautés. Ça s'appelle la subcentrale de Morado Casa. Et nous commençons à faire des regroupements sur des thématiques diverses de santé, d'agriculture, de syndicalisme. Et en 2016, nous faisons l'inauguration du centre de formation. Et cette même année 2016, nous obtenons le financement de 4 formations de longue durée, qui ont duré chacune d'entre elles 10 mois, auprès du conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Donc moi-même, je suis fils de petits paysans. J'ai vécu et j'ai connu donc la petite ferme de mes parents, une petite ferme de polyculture. Et si on regarde au niveau de la planète, aujourd'hui subsiste encore environ 500 millions de petites propriétés agricoles, soit à peu près 3 milliards de population. Et cette petite paysannerie dans le monde nourrit environ, selon les statistiques, 70% de l'humanité, sur à peu près un quart des terres agricoles.
Si on regarde l'histoire de la paysannerie dans le monde, c'est une histoire de souffrance. Et je dirais aujourd'hui que ces souffrances s'aggravent. Si on regarde d'abord l'histoire dans les régimes communistes, la collectivisation forcée dans les régimes communistes a eu des conséquences désastreuses sur le plan économique qui ont conduit donc à des famines qui ont fait des millions et des millions de morts. La répression sur la paysannerie s'est abattue de façon terrible avec des camps dignes des camps nazis. Sous les régimes communistes, la petite paysannerie a été maltraitée, avec des conséquences dramatiques. Si on regarde ce qui s'est passé donc en France et dans les pays développés, le modèle productiviste a profondément transformé le paysage agricole de l'après-guerre. Dans les années 60, les petites fermes de polyculture, où l'on trayait donc les vaches à la main, et où l'on donnait à manger au bétail avec les productions de la ferme, tout ça a pratiquement disparu donc, sous les roues des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. L'imagination bureaucratique a mis en marche la prodigieuse marche du divin progrès. Tout ce qui était ancien devait disparaître. La loi du marché devait régner avec une emprise toujours plus forte de la technique sur le vivant. Ce mode a eu des effets, certes, spectaculaires en termes de technologie, mais une bonne partie des sols agricoles aujourd'hui sont épuisés par un matraquage chimique et ont perdu pour longtemps donc, leur fertilité naturelle. Les agriculteurs qui ont utilisé donc, les pesticides et les fongicides sans précaution, aujourd'hui sont malades, ont des cancers et décèdent. Si on regarde la population active au lendemain de la guerre, c'est aux alentours donc, de 10 millions donc, d'actifs qui peuplaient les campagnes au lendemain de la guerre. Tous ces emplois, donc, il faut les mettre en perspective avec la situation actuelle, où des millions de personnes donc, n'ont plus de travail, et aujourd'hui c'est de l'ordre de 12 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et dont les perspectives de retrouver du travail sont extrêmement réduites. Les agriculteurs ont été pris donc, dans le modèle du toujours plus. Plus de concentration de terre, plus d'herbicides, plus de fongicides, plus d'engrais chimiques, mais aussi plus d'heures passées sur le tracteur, et aussi, malheureusement, plus d'endettement. Et trop d'agriculteurs ont échoué et échouent encore avec ce modèle productiviste. Et aujourd'hui, tout le monde sait que beaucoup d'agriculteurs se suicident. C'est environ 500 chaque année qui perdent la vie. Ce modèle a fait disparaître la petite propriété agricole de par le monde. Mais ça continue. Et cela génère évidemment la migration à la périphérie des villes et aussi l'émigration vers les pays développés, ce qui fait aujourd'hui l'actualité dans le monde. Et si on ne maintient pas les paysans donc, sur leurs terres, on est condamné à des flots permanents de réfugiés. Bon, d'autre part, si on regarde donc les produits issus de l'agriculture conventionnelle et de l'agroalimentaire, interrogent de plus en plus les chercheurs qui considèrent que cette agriculture conventionnelle, à base donc de pesticides, de fongicides, d'engrais, a des effets donc sur la santé des consommateurs. Avec ce modèle, nous assistons donc à un modèle technologiquement triomphant, mais économiquement, socialement, écologiquement, complètement défaillant. Ceci étant dit, dans les pays développés, donc, est en train de naître une autre agriculture sur la base d'un autre modèle de société, avec une prise en compte aussi des richesses du passé.
Je dirais que donc il est urgent de mettre debout une agriculture saine, durable, qui donne du travail à des millions de gens. Donc en Bolivie, la révolution de 52-54 a permis la redistribution de terres aux paysans qui travaillaient dans les haciendas, qui étaient donc hérités de la colonisation espagnole. Et donc cette propriété issue de la réforme agraire de 54, je dirais, est restée très longtemps en sommeil. Et en plus, a été cadenassée par le fameux pacte militaire paysan qui a sévi pendant des dizaines d'années et qui a commencé donc sur le régime du général Barrientos donc dans les années 80, sous l'influence donc de Paulo Freire. De nombreuses institutions boliviennes ont travaillé justement sur ce concept d'éducation populaire. Et ceci a permis l'émergence de la Confédération paysanne. Cela a pris évidemment de nombreuses années, mais on peut considérer avec le recul que c'est ce travail de mobilisation, d'organisation de la Confédération paysanne qui a amené Evo Morales au pouvoir. Et dans l'histoire de la Bolivie, c'est quelque chose de très unique et historique, puisque c'est la première fois en Bolivie qu'un Indien, Aymara, devient président de la République. Évidemment, toute action s'inscrit dans un contexte qu'il faut bien entendu prendre en compte. Sur le plan politique, la Bolivie a vécu des siècles de coups d'État, donc avec une instabilité politique. Et c'est seulement avec l'avènement donc du gouvernement de Evo Morales que la Bolivie a connu une certaine stabilité politique. A souligné la nationalisation des grandes firmes multinationales a permis de redistribuer les richesses venant des ressources naturelles du pays et notamment de redistribuer les richesses auprès des paysans quechua et aymara qui depuis des siècles vivaient en marge du développement. Nous sommes sur un territoire de minifundio, c'est-à-dire de petites propriétés agricoles avec en moyenne 1, 2, 3 hectares de terres par famille. Les paysans y vivent donc d'une économie d'autosubsistance. Ils vendent leur surplus sur le marché le dimanche, et cela depuis des décennies. L'unité de travail est la famille, dont la rationalité est très différente de celle du système capitaliste. La motivation donc, de la petite unité familiale agricole, c'est d'abord de satisfaire les besoins de la famille. Et ceci amène parfois le paysan à intensifier sa force de travail avec une sorte d'auto-exploitation de toute la famille. Cela occasionne bien sûr une fatigue importante. Les rendements restent assez bas. La petite propriété est soumise aux aléas du climat, avec parfois des productions agricoles qui se réduisent parfois dangereusement. La petite propriété subit les influences du marché avec les intermédiaires qui achètent donc à bas prix. Si on regarde donc les prix du marché en comparaison avec le coût de production, on peut constater que le prix de vente est parfois en dessous du coût de production. Ceci donc est le fait de la mondialisation. Revenus, les paysans ont tendance donc à migrer jusqu'en Argentine ou encore à Santa Cruz, la grande ville donc de la partie amazonienne. Les paysans travaillent la terre avec des techniques ancestrales qui ont fait leur preuve depuis des siècles. Ils labourent notamment donc avec l'arrière qu'utilisaient les Incas. Pour battre le blé, le paysan fait tourner des ânes et ses chevaux durant des heures pour extraire le grain de l'épi. Les Andes sont riches d'une culture héritée des Incas. Durant la colonisation, pour les Quechua et pour les Aymara,
Le mot d'ordre était « devenez catholique, parlez espagnol, quittez votre habit traditionnel, faites votre service militaire et obéissez, soumettez-vous donc aux lois de la royauté ». Lorsque est arrivée l'indépendance, les différents régimes politiques ont perpétué ce système. Aujourd'hui, l'espagnol s'est imposé, la religion catholique s'étend dans toutes les Andes, l'habit traditionnel a tendance donc à disparaître, de même que la musique traditionnelle, qui reste d'une richesse exceptionnelle, mais qui a tendance donc à s'effacer. Si on regarde le contexte au plan de l'organisation donc de la société paysanne, chaque communauté a un syndicat. Les paysans élisent chaque année un représentant syndical. Il est en relation donc avec la mairie, avec les autres syndicats, mais aussi avec les institutions publiques et privées. Le syndicat gère, disons, les affaires courantes de la communauté. Il y a un regroupement de 12 communautés, cela s'appelle la sous-centrale de Morado Casa. Au plan municipal, il y a 10 sous-centrales pour un total de 75 communautés sur un territoire d'environ 16 000 à 17 000 habitants. Il y a bien sûr une municipalité avec un conseil municipal qui est élu pour 5 ans, c'est l'organe législatif qui délibère et qui a aussi une fonction de contrôle sur l'exécutif et qui est chargé en fait de faire respecter la loi. Il y a un maire donc, qui est élu, c'est la plus haute autorité du gouvernement municipal. Il y a aussi un agent administratif qui est en fait le secrétaire général et qui est responsable donc, de l'administration général de la mairie. Un bon tiers de la population ne sait pas lire et écrire. Et une majorité de paysans sont illettrés, ce qui rend difficile les comptes rendus de réunion pour l'ensemble des communautés. Et une chose importante, je dirais que dans les consciences, est inscrit un héritage de siècles de domination avec l'obligation de renier sa propre culture, sa propre identité. Une vision du monde s'est diffusée donc, et se diffuse encore à travers les institutions publiques, à travers l'école, à travers les médias, à travers les partis politiques. Je ferai le constat que l'argent comme réflexe premier pénètre les mentalités paysannes. Petit à petit s'est installée dans les consciences cette croyance que la conquête du bonheur se fait autour de la consommation matérielle. Le paysan quechua, je dirais, s'est peu à peu occidentalisé. Si je regarde donc l'écart culturel qu'il y avait entre moi-même et les paysans quechua avec lesquels j'ai travaillé donc il y a une cinquantaine d'années, je dirais que pratiquement la moitié de la population ne parlait pas l'espagnol. Que dans les communautés, les paysans accomplissaient leurs rituels dans la clandestinité. Il n'y avait aucune pollution de plastique. On pouvait laisser les portes ouvertes sans risque de vol. Aujourd'hui, l'écart culturel entre les paysans et l'occidental s'est amoindri. Très peu de paysans pratiquent des rituels à la Pachamama. C'est seulement une petite minorité de femmes qui ne parlent pas l'espagnol. Et le paysan vit de plus en plus à l'heure de la radio, à l'heure de la télévision, qui diffuse ces séries américaines. Les hommes connaissent l'univers des grandes villes, et tout ce qu'elle véhicule comme vision du monde. Les jeunes ont un portable, ils mettent une casquette Nike, ils portent un jean, ils boivent du Coca-Cola.
les déchets plastiques jonchent les rues du village de Moradokassa. Et le paysan raisonne de plus en plus en termes d'argent et de biens matériels que lui offre la société de consommation. Quand nous sommes arrivés donc à La Paz, à la capitale, en 2012, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller aux librairies de La Paz. Et j'ai découvert donc le livre de Fernando Guanacuni sur le concept du buen vivir, du bien vivre. Quelques mois plus tard, j'ai découvert aussi le livre de David Choquehuanca, qui a écrit également donc, sur le buen vivir. David Choquehuanca est aujourd'hui à la vice-présidence donc, de l'État bolivien. C'est imaginer d'autres mondes. C'est la construction donc, d'un modèle de vie alternatif par rapport au modèle aujourd'hui hégémonique, qui fait de l'homme, je dirais, une machine à produire du profit. Le système socio-économique inca a été anticapitaliste, dans ce sens où il comportait des formes de propriété communale, des formes d'entraide et de solidarité sociale qui s'opposent aux principes de base du capitalisme. Il s'appuyait sur une cosmovision établissant une relation harmonieuse entre l'univers, la terre et l'humain, sur des préceptes moraux comme « Amaquilla, ne sois pas paresseux »,« Amayuya, ne mens pas », Amasua, ne vole pas. Le buen vivir est une philosophie de vie qui s'oppose à l'idée de développement compris comme un accroissement sans fin de biens matériels et le fait d'être accro à cette société de consommation. Le buen vivir s'affirme comme une volonté permanente de recherche d'harmonie au sein de la communauté, mais aussi avec le cosmos et la nature. Il répond à la question du sens et de la valeur de la vie. Le buen vivir a à voir avec le vivre ensemble citoyen. La difficulté, c'est qu'il y a une distance entre la population et le monde des élites indigènes, avec leurs alliés intellectuels dont d'indigènes, dont je fais partie. Le buen vivir comme état d'harmonie n'existe nulle part. Et on peut dire que la politique économique donc, du gouvernement de Bolivie ne s'écarte guère du modèle développementiste dit occidental, avec cette fascination pour l'accumulation de biens. Mais on peut identifier certaines pratiques du buen vivir dans les communautés où perdurent encore des principes d'entraide, comme l'Aini, la Minka. La construction du buen vivir s'inscrit dans un dialogue permanent entre un héritage ancestral d'une part et une perspective qui prend en compte la réalité présente pour se tourner vers le futur. Le dialogue est nécessaire entre ceux qui regardent le passé et qui veulent valoriser certaines richesses ancestrales et ceux qui se tournent vers le futur, en sachant que le buen vivir donne une vision à toutes les actions d'éducation et de formation qui se font donc dans le centre de formation. La plupart des projets de développement en faveur des pays du Sud, on parle pas ou peu de formation humaine. De même que dans les programmes gouvernementaux, on ne parle pas de formation humaine. Pourtant, l'avenir d'une société se joue d'abord au sein de chaque citoyen, du plus pauvre au plus riche. Il n'y a pas de changement de société, changement humain. Une réflexion sur les comportements qui séparent, qui démobilisent, qui sèment le ressentiment, qui sèment le mal-être, qui sèment les conflits et qui en fait amènent les échecs personnels et collectifs. Ou au contraire,
nous faisons réfléchir sur les comportements qui harmonisent, qui mobilisent, qui construisent et qui permettent en fait donc une réussite personnelle et collective. La dynamique se fait sur la base du principe pédagogique « ne cherchons pas à convaincre ou à faire la morale », mais faisons réfléchir sur les résultats qu'entraîne tel ou tel comportement négatif, telle ou telle attitude négative. Mario Vargas, qui a peint le concept du bois de vivir dans le centre de formation, a peint des personnages avec leurs habits représentatifs de la culture quechua. Chaque personnage suggère des comportements. Derrière nos comportements, il y a des valeurs. Nous sommes au quotidien nos valeurs, négatives ou positives, que nous en soyons conscients ou pas, que nous l'acceptions ou pas. Lorsque j'anime un atelier sur les valeurs, je multiplie les exemples de la vie quotidienne pour bien faire comprendre ce que c'est que les valeurs. Par exemple, quand je rends visite à un paysan, donc sur son champ, et que ce paysan ne donne que des pêches, et qu'il choisit les plus belles, il y a derrière ce comportement et cette attitude une valeur. Dans les animations aussi, j'utilise des jeux pédagogiques. Par exemple, un jeu pédagogique qui consiste à se faire le défenseur d'une valeur, la valeur de l'honnêteté, de la responsabilité, du respect, de l'engagement. Sur les portes des pièces du centre de formation s'affiche une valeur illustrée par Mario Vargas et avec une invitation donc à la réflexion. Le centre de formation a édité aussi une brochure sur les valeurs. Ces brochures sont remises aux participants en formation. Mais le développement humain, c'est aussi aborder l'estime de soi. Et c'est quelque chose d'important. N'oublions pas que des siècles d'oppression ont installé dans les consciences des Quechua et des Aymara, en général, une mauvaise estime d'eux-mêmes. Cette oppression, je la symbolise par l'insulte suprême des classes dominantes à l'égard du monde indien. Indiobouge, indien, Han, que une certaine partie encore de la bourgeoisie bolivienne n'hésite pas à utiliser. La mauvaise estime de soi constitue un blocage à sa propre émancipation. Personnellement, je m'interdis toute critique à l'égard d'une paysanne ou d'un paysan. La critique reproduit le système dominant-dominé. La critique, le reproche, génère le ressentiment. C'est un mauvais chemin pour faire changer de comportement. D'une façon générale, je fais réfléchir sur les causes, sur les conséquences d'une mauvaise estime de soi. Je fais réfléchir, à l'inverse aussi, sur les avantages d'avoir une bonne estime de soi et sur comment construire une bonne estime de soi. Je fais le constat, par exemple, que réussir un projet personnel, oser prendre la parole en public devant un groupe, favorise une bonne estime de soi. Lorsque j'anime un atelier sur le bois de vivir et qu'on travaille donc sur les comportements, je demande en général, donc à la fin de l'atelier, que chacun fasse un petit discours donc de 2-3 minutes sur le concept du bois de vivir. Ce discours est enregistré donc par une caméra et nous regardons ensuite en groupe la présentation de chacun. Chacun est amené à faire des observations, mais seulement en positif.
seulement en positif. L'expression de soi devant une caméra est un soulagement. Et chaque participant en retire une petite fierté personnelle. Oser prendre la parole en public améliore la confiance en soi, mais aussi engage, responsabilise pour celui qui parle. La capacitación hemos hecho ese trabajo de escoger valores que promuevan el buen vivir de la persona, ¿no? Y dentro de los valores que he podido yo escoger en persona es el respeto, que es base fundamental para la persona, el respetar a la otra persona, su cultura, su religión, su idea de pensar, su política, su pensamiento más que todo, ¿no? Y de eso ya va a continuar lo que es el amor. Si uno respeta a la persona, entonces va a sentir ese aprecio, ese amor hacia la otra persona. Y ya después de tener ese valor del amor, entonces vamos a seguir a la otra, que es la fraternidad. Si uno tiene respeto y amor a la otra persona, entonces va a haber una buena fraternidad. Y de acuerdo a esto, entonces se puede ver una buena organización entre la comunidad y así tener grandes proyectos, grandes nuevas ideas y sea favorecida a ellos mismos, ¿no? Bueno, primeramente un saludo grande para mis compañeras de la capacitación, también para doña Lourdes, don Miguel, para todos ustedes, muy buenos días. De esa manera aquí estamos viendo, y he escrito amor, humildad, respeto y compromiso. Ya, lo cual, amor es para todo, ¿no? Amor es, te puede llevar lejos porque es el motor de todos los humanos. Con amar, desde los profesores, hasta los niños tienen que amar. En la casa tiene que haber amor de padre, de madre, también de los niños hacia padre, para todo es amor. Bueno, humildad, ¿qué es humildad? ¿No? Hay un ejemplo de humildad. Cuando te pegan hay que alejarse y cuando te patean hay que arrinconarse. Todo es humildad. Cuando alguien te dice con palabras fuertes, es mejor humillarse para todo y eso te hace bien. Respeto, ¿no? Hay que respetar a los niños, hay que respetar a los mayores, a todos los que están a tu lado, respetar a una familia. Cuando muchas veces viajamos en la familia ya no hay respeto, así con las parejas, también con las madres, con los niños, y muchas veces ese respeto es mejor. Ya. Compromiso es cuando uno se compromete, por ejemplo, los dirigentes, en las casas, en la familia, en todo hay compromiso. Y con compromiso es cumplir con la gente, no solo con la gente, con todo, con la familia, todo es compromiso. Aquí dice amor, humildad, respeto y compromiso. ¿Y qué pasa cuando le unimos todito los cuatro? ¿No? Con amor, con humildad, con respeto, con compromiso, puedo trabajar bien para mi familia, puedo trabajar para mi municipio, para mi comunidad, para toda la gente. Si realizamos los cuatro, podemos salir adelante todos. Gracias. Un saludo para ti, igualmente, doña Elena, y también aquí está la profe Lourdes, igual, y los que están compañeros, para todos tengan muy buenos días. Bueno, a ver, yo, para mí es un buen vivir, es importante buen vivir, ¿no? Para mí, la verdad yo digo eso, ¿no? Si no hay vida, no sería posible estar aquí también, ¿no? Eso yo digo. Y otra cosa, para vivir bien, para mejorar en las cosas, cumplir los valores positivos, no negativos.
Quiero hablar en los 10 idiomas. Voy a hablar hablando en este de esta Bolivia. Estamos más que todo en estas comunidades, en estos sectores que estamos haciendo, o estamos haciendo más las palabras, los valores negativos. Eso está ocurriendo aquí en Bolivia. Hasta ahorita eso está lo que está pasando. Eso yo digo. Pero nosotros, como estamos hoy aquí, no queremos que llevemos esas palabras negativas, esos valores negativos, sino de aquí, de adentro, de aquí del centro Rishari, tenemos que sacar las palabras positivas para que vivimos un bien mejor vivir en estas tierras. Eso. Y para mí, vivir bien, yo digo personalmente, hay que estar junto con la familia y estar dentro de la comunidad, siempre ayudando, motivando para que vayamos juntos y para que podamos también ayudarles en las comunidades, para que seamos juntos y para que vivamos juntos bien o mejor. Eso yo digo, don Miguel. Gracias por la entrevista. Muchas gracias. Don Miguel, doña Elena, doña Lourdes y demás compañeros, compañeras, muy buenos días. Y primera vez que estoy asistiendo a este taller y bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Tal vez en la casa no sabemos, ¿no? Y veías por eso que por falta de conocimiento, entonces no encaminamos bien en nuestra comunidad, en nuestro hogar. Bueno, yo lo que quisiera es que en nuestras familias, ¿no? En toda la sociedad, qué tan lindo sería, ¿no? En la comunidad, que pongamos en práctica, ¿no? Todo lo positivo y lo dejemos atrás, lo negativo. Y entonces quisiéramos que mi familia, bueno, planifiquemos para hacer algo y también que acepten lo que tenemos. Porque hay hartos, lo que hemos hablado ayer, ¿no? Pero no creo que podamos terminar para vivir bien. Y también sobre los valores también, ¿no? Es muy importante que los valores también tomemos en cuenta, como el cumplimiento, la puntualidad, el respeto, la solidaridad, en fin, ¿no? Y eso sería de mi parte. Mi nombre es María Rosa Flores, de la comunidad San Antonio de Toca, y gracias. Buenos días, compañeros. No cae nada más, entonces no cae media charico. Ahora no capes, cae nada más, entonces no capes manara. Tener la primera vez manara manchico y llara, manara alienta, no cospa como manchico y llanera para la eta. Como que te gusta un huesico chimante con la familia ocupe alienta para la nacospa, alienta añapa, mapanapa. Con nada más que me decían, no, recientemente le dije que no me atreve a hacer para seguir a hacer el mundo. Cierto. Dans la formation citoyenne, il ne s'agit pas donc de diffuser donc une vision de la société, une vision du monde, comme le font les partis politiques, comme le font les marxistes, mais de faire émerger donc une conception de la société sur la base d'informations, de réflexions, de confrontations. La formation citoyenne permet aux paysans de passer donc d'une perception floue de la réalité vers une vision plus lucide sur le gouvernement, les institutions, les partis politiques, les associations, les syndicats. L'éducation citoyenne permet aux paysans de prendre conscience que le capitalisme pur et dur, avec sa culture de la technologie, vide les sociétés de l'humain et de la spiritualité. Dans la formation citoyenne, nous cherchons à faire en sorte que le paysan s'approprie le contenu de la Constitution bolivienne qui vient d'être réécrite
sous le gouvernement de Evo Morales, et cela avec une large participation populaire. Dans la formation citoyenne, il s'agit aussi de faire réfléchir sur les causes de la pauvreté, voire de la misère. La formation citoyenne permet de renforcer la démocratie en construisant donc une citoyenneté informée, active, responsable, avec sa propre vision. Par exemple, donc il s'agit d'approfondir une conscience de l'histoire des Quechua et des Aymara. Et notamment, il s'agit d'approfondir l'histoire de leur lutte. Et dans le centre de formation, nous possédons donc de nombreux films sur l'histoire des Quechua et des Aymara. Par exemple, nous avons quelques films du réalisateur bolivien Jorge Sarchines. Et quand nous faisons donc une projection, il y a toujours un débat qui permet de réagir, de prendre la parole, d'être acteur. Cela dans une dynamique d'intelligence collective. La technique du sociodrama ou des scénettes, où les paysans jouent des moments de leur histoire ou de leur quotidien face à des difficultés, c'est l'occasion aussi d'approfondir une réalité. Nous faisons appel aussi à des témoignages de syndicalistes paysans qui ont contribué notamment donc à l'émergence de la Confédération paysanne. Nous visitons les institutions publiques, les institutions privées, qui constituent une dynamique aussi d'éducation populaire appréciée par les pays. Bien sûr, tous les ans, nous animons un atelier sur le concept du bois de vivier. Donc je dirais que la construction d'une citoyenneté consciente, humble, responsable, engagée, est un processus de longue haleine, mais aussi un processus délicat. Le bois de vivier au blanc économique propose donc une alternative au modèle dominant. L'argent, le divin progrès, comme moteur d'une société, sont porteurs de plus en plus d'inégalités. Et j'ajouterai aujourd'hui d'autodestruction. Ce modèle appliqué aujourd'hui pratiquement sur toute la planète, nous fait perdre le sens de la vie. C'est l'AOPEP, donc une institution bolivienne qui a son siège à La Paz. L'AOPEP qui veut dire Association de l'Organisation des Producteurs Écologiques de Bolivie, qui nous a aidés à formuler un projet et qui nous a donc aidés aussi à animer et à former ce qu'on appelle des promoteurs en agroécologie. Les démonstrations se sont faites dans le centre de formation, dans le jardin du centre de formation, mais aussi sur des parcelles des participants à la formation. Bien sûr, donc la formation a porté sur la fertilisation naturelle, à base de fumier, à base de compost, mais aussi à base de feuilles de boyer, dont les feuilles constituent d'excellents engrais naturels. Et chaque fois que cela a été possible, nous avons fait aussi des démonstrations de goutte à goutte. Parce que ici, comme ailleurs, le réchauffement climatique se fait sentir et il y a des périodes sans pluie, ce qui pour le paysan peut s'avérer dramatiquement en période de pleine production. La OPEP a montré que la lutte naturelle contre les maladies, contre les pucerons était possible. Et cela à base de décoctions qui sont réalisées donc avec des plantes qu'on trouve ici dans la campagne. Sí, yo he visto esos porque a la papa igual estaban entrando los pulgones con repelente picante fumigado y se han desaparecido y dado buenos frutos. Bueno.
que la agroecología que viva, que es muy bueno para la vida, que si lo, que los químicos no es bueno si nos estamos envenenando a nosotros mismos, que producción ecológica es muy bueno. Yo estoy contento con mi huerta de agricultura, que estamos produciendo zanahoria. Y ahora estamos, ya sabemos ya producir cómo, porque para vender, para tener algo de platita para la familia. Ajá. Y pero quisiera que todos que pongamos esa zanahoria, esa valle es esto. Yo quiero que pongan todos la gente. ¿Eh? Uh-huh. Hay que darse fuerza y para poner, para sembrar zanahoria hay que saber también preparar la tierra. A mí es para mi salud lo primero. Ajá. Para mi salud es bien, para mis hijos, para mi familia, todos pues, estamos uh-huh. bien y después... Para la gente también, pues cuando ya conocen sin químico, es sin nada, es con abono natural, entonces la gente más consume de aquí, pues. Ajá. Claro. Llevo a Tarabuco, entonces conocido es esta. Yeah. Porque Sanita es sin químico, entonces compran. Monsanto fait son œuvre déjà depuis quelques années. Beaucoup de paysans utilisent des engrais, notamment sur les productions de pommes de terre, et le résultat est toujours spectaculaire, notamment les premières années. En fait, donc, l'agriculture écologique convient particulièrement à la petite paysannerie, parce qu'elle est peu exigeante donc en capital, et par contre, elle est exigeante en main-d'œuvre, et elle procure donc une haute valeur ajoutée. Et en fait, donc, l'agroécologie constitue donc une clé pour la souveraineté alimentaire et la santé des populations. Mais pour généraliser l'agroécologie sur le territoire de la municipalité de Tarabuco, je dirais que tout reste à faire. Dans la perspective donc de construire une économie de vie, la dynamique des jardins potagers est une dynamique importante. Donc chez nous, le modèle qui a concentré les populations dans les villes a eu tendance donc à faire disparaître les jardins potagers, même si aujourd'hui il y a des tentatives donc d'agriculture biologique urbaine. Je citerai notamment donc la ville de Détroit, aux USA, qui est un modèle de ce point de vue-là. De façon générale, donc les enfants ne savent plus ce que c'est que cultiver la terre, ils ne savent plus ce que c'est qu'un poulailler, même s'il y a des associations, et il y en a une tout près de chez moi, qui s'appelle l'association du Puy-Béziers, qui fait des animations dans les écoles, avec donc des pratiques de culture potagère, de culture légumière. Si on revient sur le territoire de la municipalité de Tarabuco, le paysan consomme au quotidien du riz, des pommes de terre et du maïs. C'est ça le quotidien de la consommation des familles paysannes sur le territoire donc, de la municipalité. Donc faire le choix de cultiver ses propres légumes, faire le choix d'avoir un jardin potager, c'est l'assurance donc, de manger sain. De plus, le jardin, donc, c'est une source de bien-être. On y a une activité physique indispensable au corps humain. Et en plus, on fait le plein de vitamine D. Je rajouterai que cultiver son jardin biologique participe d'un mode de vie respectueux de la planète et contribue à la souveraineté alimentaire. Sur la zone donc, où nous travaillons, tout reste à faire de ce point de vue-là pour
généraliser le jardin potager dans toutes les familles paysannes. Le modèle productiviste a proposé et propose donc une sorte de course à une mécanisation agricole toujours plus puissante, toujours plus chère, toujours plus prestigieuse. Et le tracteur, bien sûr, en est le symbole le plus marquant. Récemment, j'ai vu donc à la télévision un reportage donc sur un tracteur qui vient d'arriver donc sur le marché français, qui coûte 300 000 euros, qui vient des USA et du Canada. Et l'agriculteur doit travailler jour et nuit sur son tracteur pour rentabiliser évidemment le tracteur, et cela sur des surfaces donc de plus en plus importantes, sur un minimum de 800 hectares. Bien sûr, c'est une démarche qui reste marginale en France, mais qui est un symbole marquant du modèle dominant. Nous avons fait venir une institution qui s'appelle le CIFEMA, qui est donc à Cochabamba, et sont venus donc deux animateurs avec du petit matériel agricole et ont organisé donc une journée de démonstration. Et ils ont présenté aux paysans des charrues métalliques combinées, réversibles, des bideuses, des semoirs à maïs, des semoirs de pommes de terre. Ils ont présenté aussi une petite batteuse de blé, un moulin, une vanneuse de graines, une égraineuse de maïs. Alors, ce sont autant de petits matériels qui viennent soulager donc le petit paysan, qui viennent faciliter. Et cela sans perturber, outre mesure, donc l'équilibre social. Alors pour le moment, seuls quelques paysans ont acheté quelques machines à égrainer le maïs, des machines à main, parce que le matériel proposé est malgré tout coûteux pour le petit paysan. Mais plusieurs paysans demandent de faire une acquisition collective, de faire une acquisition par le centre de formation et de faire une gestion où les paysans pourront louer les services donc, de ces matériels agricoles. Le centre de formation promeut la création de micro-entreprises agricole sur place. Et là encore, donc la OPEP a fait des démonstrations de transformation de produits agricoles, de produits de la ferme. Le centre de formation a organisé des formations donc en cuisine, en pâtisserie, afin de mettre en pratique de nouvelles recettes et d'envisager la mise en place de points de vente de nourriture sur le marché de Tabank ou de Taban. Le centre de formation, dans cette dynamique de développement local, a mis en place aussi une formation dans le domaine de la couture et confection, pour une production familiale, pour une vente sur le marché, pour des ventes de vêtements aux établissements scolaires. Le premier travail que nous avons fait avec la professeure a été la première collègue de notre deportivo, a été esta. La première collègue manga larga que nous avons fait, nous avons choisi le modèle et le color negro, blanco, plomo negro. Lo hemos buscado en internet y nos ha gustado y lo hemos hecho a nuestra medida y con los moldes ya presentes. Esto ha sido el primer trabajo que hemos hecho junto con las compañeras. El segundo ha sido para ir a representar al centro para los desfiles. Hemos hecho esta polera que con un catálogo Centro Lichari Promo 2018. Con un logotipo Centro de Capacitación Richari. También hemos escogido el dibujo, unas reglas y una wincha que nunca debe faltar a una costurera. Y nuestros nombres. También hemos hecho lo que es chompas para el frío, para nosotras.
porque aquí en el campo siempre hace frío y hemos decidido hacer estas chompas que son muy gruesas y de una tela bien especial. Hemos decidido hacer el azul con líneas blancas. Y también hemos hecho un plomo que también lleva azul con cintas, que es bien caliente para el frío. Y también hemos hecho una polera. Ya. Esta es la chompa que hemos hecho, que es para mujer, es talla S, que es bien caliente para el frío y fresco también para la calor, lo podemos utilizar en las dos. También hemos hecho lo que es blusitas para las mujeres y hemos utilizado lo tela orgánica, lo que es más importante porque llevamos nuestra cultura y colores. Por eso hemos decidido colocar aguayo, lo que es en las blusas, para que se vea más bonito y más presentable, porque también representa nuestra cultura. Eso. Y también estamos lo que es vestidos para niñas. Lo pueden utilizar para un cumpleaños, un bautizo, para una fiesta. Este es para una niña de 3 años. Lo hemos hecho con tela encaje y así, de dos colores. También hemos hecho lo que es blusas, vestidos para salir a pasear o también puede servir para un disfraz. Esta es una falda, falda campana, que lo hemos hecho con una tela de... Así te puedes colocar para ir a pasear y es bien fresco. Y esta es la polera. Los modelos hemos decidido hacer nosotros mismas para ponernos. Esta es una blusa para la calor, porque en época de calor también lo podemos utilizar. Al frío también porque son calientes estas telas y así ya sé, aprendemos muchas cosas gracias al apoyo de Francia, desde París, porque aprendemos muchas cosas gracias a ellas y gracias a ellos estamos aquí y aprendemos muchas cosas, gracias. D'une façon générale, je dirais que la dynamique de développement local en est à son balbutiement et qu'il y a encore pratiquement tout à faire. En France, donc de la médecine conventionnelle, l'espérance de vie a considérablement augmenté. Oui, mais à quel prix ? La consommation de médicaments depuis une quarantaine d'années est exponentielle. Et ceci donc est en contradiction donc avec le confort matériel qui s'est installé quand même dans la plupart des familles depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le coût de la santé a atteint des sommes absolument considérables. C'est de l'ordre d'environ 200 milliards d'euros de soins médicaux et de médicaments. Et cela, bien sûr, au profit des grandes firmes pharmaceutiques. Donc en Bolivie, récemment, donc la politique de santé du gouvernement bolivien a contribué à créer de nombreux hôpitaux et de nombreux centres de santé dans les campagnes boliviennes. Alors qu'il y a une cinquantaine d'années, c'était un désert médical que nous avons connu, nous, lorsque nous étions donc en Bolivie, dans les années 77-80. Cela, évidemment, coûte très cher à l'État bolivien. Certes, les paysans peuvent venir à l'hôpital, au centre de santé, se faire soigner. Mais qu'est-ce que l'on constate ?
que, en tout cas, sur la zone où nous travaillons, les paysans ne sont pas en meilleure santé. Et je dirais même que leur santé s'aggrave. Comment expliquer cela? Il faut faire le constat que l'alimentation, le mode alimentaire, a complètement changé. Aujourd'hui, lorsque je suis invité, par exemple, dans une famille paysanne, on croit me faire plaisir en m'offrant du Coca-Cola. Je constate aussi que dans les petites épiceries de la communauté de Morado-Cassa fleurissent tout un tas donc de boissons gazeuses, sucrées, dont nous connaissons les effets sur l'état de santé. Bien sûr, il y a des problèmes d'alcoolisme qui perdurent et qui ont des conséquences graves sur l'état de santé des paysans. Alors, face à cet état de choses, que propose donc le concept du buen vivir dans le domaine de la santé? La boussole, l'orientation, c'est de faire en sorte que les paysans prennent en charge leur propre santé, qu'ils deviennent en quelque sorte leur propre médecin. Et si on regarde l'histoire dans les Andes boliviennes, les populations utilisaient des médecines traditionnelles qui existaient donc à l'époque incaïque, qui ont perduré donc depuis l'époque incaïque, et qui fait partie de leur culture. En Bolivie existe une médecine dite des Calawayas. Cette médecine des Incas qui a résisté donc à des siècles de domination culturelle. Cette médecine, elle est riche d'une médecine par les plantes et chose importante qui prend en compte la cosmovision du monde quechua et aymara. Le buen vivir au plan de la santé responsabilise les habitants vis-à-vis de leur propre santé. Et cela permet de limiter dans la mesure du possible le recours à la médecine conventionnelle. Alors comment cela se passe? Le centre de formation forme des agents de santé. La médecine traditionnelle, dans la loi, est reconnue par le gouvernement bolivien. Donc le centre de Richari forme des agents de santé communautaires. Nous insistons et nous parlons aussi de santé mentale. Donc, quand je fais des animations sur le buen vivir, je parle de ce que peut apporter la pensée positive. Grâce donc à un financement que nous avons obtenu de la Guilde, donc, qui est une association qui émane donc de l'AFD, de l'Agence française de développement, et qui finance des micro-projets, nous avons équipé donc les communautés de petites pharmacies où les agents de santé gèrent une médecine par les plantes et aussi ont quelques médicaments de la médecine conventionnelle. Ce sont eux donc qui font le lien entre la communauté et l'hôpital et les centres de santé. Nous avons la satisfaction aussi de voir que deux communautés donc, ont monter un petit laboratoire de médecine traditionnelle et qui a beaucoup de succès.
anchata un juego caipe chejina nas manta gastritis reumatismos chaques nenco sintinco chay no te pavar gai con gai co estudia nai co pas chay nista ma de hay nai co chu e chay ta aprovecha chay co hampis pa chay nasta un cos gasta mates ruas pa puma da ruas pa jarabe ruas pa o huata ta estudia co pasai co taller ta kai puma da ruas echa nai co. Y yo soy como profesor de medicina tradicional hace 20 años ya, estoy trabajando, ayudándole de salud. Acá hay nane y hay chichana y pumadas lo acuerdo primero y más mantas lo acuerdo. Y pampitas jarabes lo acuerdo. Tospaj y ya hay mantas lo hay cutas a ñahuipaj a gotasta. Y ya hay mantas lo hay cutas a mate de hierbas, ujupas, y se levanta callantas bicicola, con antes prepara Sánchez, corazón baja y ojnentas callantas como bares ni cuchaypas. Hasta no cae que ya chacoita monaico, hasta van monaico ya chaita, hasta van jamos pa monaico ya chichina baicota. Y hasta cuando son hasta ya no pa esta monaico hongos que cayan, entonces hasta ya no pa na ya no pa esta monaico. Y che, hampis alguien te roba sin ronata y ronapis si alguien roba te encasí grande cosas. Yo caigo con si caigo a pas pa caí chay plantita chay pacosa chay ta toma cuida gena tomates y todo está más guay cucho. Nata hampita tukui imitapas punaka, pero ñoja ikuchai tal parte nana wan kaiman tema wan hampiku iman kanchu chai pa newatiko. In chaita toma in chaita tempo chiku in chai wan hampiku ya henata kon si haiku ñoja iku yachis haiku takai. No kaiku ta sapa domingo lo se ko tarabuko man chai pe vende moiku. On chai pe vende mois pa gana koiku. Tanta hasta van sahamos monan kuruna sana ma mayormente ate entregaita pillaman atenango pa bendita ganancia ate entregaita contentos ka shaiko ka yejos khaiko ari alilan re shaiko nyaps riko iko nya kolka se tota cheni tamana no kaiko de heimona shaiko sigi sa no kaiko nya pa mas preparas pa chei hampes. Una etatara wichus kashatengoja, causa ininches fakarka aswan, limpu mana onroikuna piskarkachu, kunan kai causa ininches peja kai chichikurus apamuita, atin tukuilaya onroikunat hasta wan pisliakita causaima, inaliata hatima apamuita wanikunat. Ukunchispi atin man kaita wakuritus mana rikukunchu, chay manta harkakunapa, kai kurus manta, Yimpuchakunaiki tian sapap unche, chay rua yanapasunga, kausainikiman astawan alguien kanaikipa. Ama kailakunachu, ancha importante wasiki kanan tian limpu, kuchuchasca sapap unche. Hapinaiki tian mayas kata platus nikita, ama sakai chuchichita, chay manta atiman apamuita tukulayan koikunata. Yuyariku ikachay platu pi mikunki. Pichanay kitean limpuchanay kitean wasikita sapa punche. Puñunay kipa halinta, masanay kitean, chahrinay kitean, supay manchuranay kitean. Mana chay kurus kanankupa. Hinapis kambianay kitean, sapa kilya iska ikutita, mana chichi kananchutian. Yuyariku ikay bichukas manta, apamuita tima malde chagasta. Wasinchismanta, uiva corrales, caritupi canantía, mana angoikunasta, apamunampa.
La culture est prise au sens large de tout ce qui représente la façon de vivre d'un peuple, la façon de penser, la façon de s'habiller, la façon de danser, de jouer de la musique. En Bolivie, face à l'uniformisation du monde, la résistance culturelle a été de mise, surtout dans les zones les plus reculées. Les paysans ont maintenu souvent dans la clandestinité leurs rituels à la Pachamama, à la terre-mère, et ont maintenu aussi leurs croyances. La société moderne efface petit à petit donc la culture des descendants des Incas. Celle-ci, cette culture survit aujourd'hui en Bolivie dans la folklorisation. Et la Bolivie évolue vers une société donc du spectacle. L'artisanat, les métiers à tisser, les ustensiles de la vie quotidienne, autrefois éléments de la vie culturelle, éléments de la culture, évoluent vers une production destinée aux touristes. La musique des Andes s'écoute dans des concerts, dans ce qu'on appelle en Bolivie les peñas, une sorte de cabaret. Les vêtements traditionnels ont pratiquement disparu. Et même si dans les familles, les paysans conservent les habits traditionnels de leurs parents. Dans la communauté de Morado-Casa, par exemple, les paysans qui jouent du charango se comptent sur les doigts de la main. Le centre de formation, dans sa vision du bien-vivre, avait pour objectif de donner aux paysans la fierté d'appartenir à une culture, d'appartenir à une histoire. Ceci se fait à travers des films, mais aussi nous avons choisi donc un peintre bolivien qui, dans le centre de formation, a peint des éléments de culture locale. Chaque fois qu'il y a un événement, et que, par exemple, il y a une remise de diplôme ou que viennent des autorités, les communautés produisent des danses et mettent leur habit traditionnel. Nous cherchons aussi à valoriser les maisons en parpaing de terre, les maisons en parpaing de terre qui protègent à la fois de la chaleur et du froid et qui font partie de la culture. La terre est un matériau sain qui préserve du froid et de la chaleur. Pour résumer, sur le plan culturel, pas grand-chose n'a été fait. Il faut dire que tous nos dossiers donc, de demande de financement pour des activités à caractère culturel ont été refusés par les ONG, par les rien ne peut être fait dans la perspective de construire un autre modèle de société sans une organisation paysanne forte, avec une vision. Si on regarde donc la situation sur la zone où nous travaillons, en Bolivie, on peut dire que l'organisation paysanne est tombée dans une certaine léthargie. Et qu'elle avance plutôt dans les pas du MAS, du mouvement au socialisme, le parti politique qui est au pouvoir. Lorsqu'on demande aux paysans qu'est-ce que fait la soupe centrale,
En général, ils répondent pas grand-chose, voire rien du tout. On peut observer aussi que souvent les dirigeants syndicaux agissent par intérêt personnel ou pour l'intérêt d'un groupe. Et les femmes ne sont pratiquement pas représentées. On les cantonne dans des rôles subalternes, hein, ce qu'on appelle en Bolivie los locales, donc les personnes qui sont présentes, mais qui n'ont pas de responsabilité. Nous faisons un travail donc, de mobilisation de l'organisation syndicale pour construire le bien-vivre et aussi pour une prise de conscience par rapport au marché, par rapport à la mondialisation, où le syndicat aussi doit peser sur les politiques agricoles, notamment pour défendre les prises agricoles. Le centre de formation sensibilise de façon inlassable à l'élection de représentants honnêtes, engagés, au service du bien commun. Les formations humaines et citoyennes renforcent progressivement, bien sûr, l'organisation paysanne. La formation de leaders, donc durant les ateliers sur le bois de vivir, insiste sur le fonctionnement municipal, mobilise les énergies dans la construction donc, du bois de vivir sur un territoire de petite propriété agricole. Les ateliers sur le bois de vivir, bien sûr, contribuent à renforcer l'organisation paysanne dans ses dimensions humaines et citoyennes. La relation du centre de formation avec l'organisation syndicale se fait donc de façon mensuelle, où quelqu'un donc du centre de formation vient aux réunions mensuelles du syndicat et informe donc de ce qui se fait, de ce qui va se faire, et mobilise aussi le syndicat pour les leaders, les dirigeants, pour faire émerger donc des projets. Certes, nous pouvons voir quelques éléments encourageants, notamment récemment un jeune paysan qui a été assidu pendant 4 ans donc à toutes les formations proposées par le centre de formation vient d'être élu et d'être reconnu donc par ses pairs comme un leader honnête, avec un langage attractif, avec une façon d'être aussi qui a plu aux communautés. Et ceci donc est tout de même un signe encourageant. Mais je dirais que d'une façon générale, il reste beaucoup à faire pour renforcer l'organisation paysanne. Nous dit qu'il doit y avoir une cohérence entre les contenus de formation, entre les méthodes pédagogiques utilisées, entre les outils pédagogiques utilisés. Donc dans la pédagogie traditionnelle, c'est le formateur qui est celui qui sait, et il a en face de lui ceux qui ne savent pas.
et il déverse donc son savoir. Cette pédagogie reproduit le système dominant-dominé. Et ce qui est grave, c'est que cette pédagogie conforte le paysan dans la passivité. Et j'ai pu le constater de nombreuses fois, le paysan qui écoute des discours, qui écoute un formateur, qui écoute une conférence, s'endort. D'abord, donc, cela suppose de la part du facilitateur une acceptation inconditionnelle de la personne et des gens avec lesquels il travaille. Ce qui n'est pas toujours le cas avec des formateurs qui viennent de la ville. Deuxièmement, donc avec les paysans, il faut parler avec eux de leur réalité, de ce qui les concerne au quotidien. Et là, je peux vous assurer que les paysans restent éveillés et attentifs. Donc, je répète, Paolo Frère nous dit qu'il doit y avoir donc cette cohérence entre les contenus de formation, les méthodes pédagogiques et les outils pédagogiques utilisés. La pédagogie qui est mise en œuvre libère la parole du paysan. C'est plus la parole prononcée de la part du participant que la parole entendue de la part du formateur qui est source de formation. Ceci est un principe de base qui n'est pas facile de faire admettre avec les formateurs souvent de bonne volonté, mais qui ont été formés à la pédagogie traditionnelle. Donc pour reprendre Paolo Frère, celui-ci donc préconise une pédagogie de la question. On entre dans une animation, dans une formation. Le formateur fait découvrir aux paysans une partie de ce qu'il veut leur apprendre. Il va formuler des questions donc autour du vécu, des réalités, de l'expérience des paysans. L'apprenant fait une partie du chemin et le facilitateur crée des circonstances d'un dialogue, d'un débat, d'une confrontation, d'une intelligence collective. Dans le centre de formation, bien sûr, nous utilisons la pédagogie du apprendre en faisant. On met le paysan donc en situation d'agir. Le formateur montre en même temps qu'il explique. Et les participants vont reproduire donc les gestes. Cela se produit notamment donc dans une formation en agroécologie, dans le domaine de la couture et la confection. Un outil pédagogique important que j'utilise lorsque j'anime des formations avec le monde paysan, c'est le brainstorming ou encore la pluie d'idées. Sur la base d'une question, les participants s'expriment librement et le formateur écrit toutes les réponses qui sont données donc par les participants, favorise l'émergence d'une créativité collective et renforce aussi la cohésion de groupe. Le jeu de rôle, par exemple, donc, qui est un outil pédagogique important, constitue un outil donc, qui libère le participant. Le formateur fait appel à la spontanéité, à la libre expression. Il permet aux participants d'être en action, en mouvement. Il donne l'occasion de faire avec un droit à l'erreur. Nous réalisons des mises en situation où les paysans se retrouvent dans certaines situations, notamment dans les contacts avec l'administration, qui vont lui permettre donc de prendre du recul à l'égard de ces situations où souvent ils se trouvent maltraités, rejetés. Lorsque j'ai fait, donc dans les années 80, un voyage au Costa Rica, j'ai visité donc une association qui s'appelle Alforja et qui faisait donc de l'éducation populaire, et qui a publié donc un livre où sont identifiés et expliqués tout un tas de jeux pédagogiques qu'on peut utiliser dans des perspectives très diverses. Le jeu pédagogique permet aux paysans d'être acteurs. Cela lui permet donc de participer. Et le jeu pédagogique désinhibe les timides. Dans le jeu, le participant s'identifie au groupe, ce qui facilite la cohésion et la créativité collective. Le jeu pédagogique permet de rompre le rythme, d'augmenter le degré d'attention des participants. Et bien sûr, le paysan ne dort plus, mais il s'exprime, et il s'expose, il rit, il assimile.
Une autre technique pédagogique que nous utilisons, c'est les scénettes. Et pour cela, nous nous inspirons du théâtre de Boal. Boal, là encore, qui était un Brésilien à l'époque de Paulo Freire, qui a dû aussi quitter le Brésil lors du coup d'État de 1964, qui est venu en France et qui a essaimé toute une dynamique autour du théâtre de l'opprimé, où les paysans jouent leur propre rôle dans des situations tendues, dans des situations d'oppression, dans des situations où le paysan n'est pas respecté. Et le paysan joue facilement ses scénettes, où il se met en scène lui-même en évoquant ces situations justement d'oppression, de mépris, de blocage. Cela permet une distanciation par rapport à la réalité. Et le facilitateur, l'animateur de ces scénettes peut arrêter à tout moment donc la scénette qui est en train de se jouer sur une situation tendue de la relation par exemple avec l'administration, et va demander donc à quelqu'un dans la salle de prendre la place de celui qui est opprimé, qui se retrouve coincé par l'attitude de l'administration ou de l'oppresseur. Et donc cela va permettre aux paysans de réfléchir comment sortir de ces situations où ils se sentent souvent donc maltraités, non respectés, voire opprimés. Un autre outil qui est important, c'est ce que j'appelle moi le feedback. C'est-à-dire, par rapport à un discours, par exemple, lorsque nous faisons des concours de discours, lorsque nous animons donc la prise de parole en public sur la base de discours, nous faisons toujours un feedback sur la base d'une grille, sur la base de la bienveillance, proposition d'amélioration. Je dirais que d'une façon générale, avec le monde paysan, l'encouragement est la règle. L'encouragement donne de l'énergie aux paysans pour aller plus loin. Donc à l'heure actuelle, nous sommes dans une phase donc, de construction de l'autonomie du centre de formation par rapport à Horizon 19. Donc grâce au travail de formation qui a été accompli pendant 4 années, le ministère de l'éducation alternative en Bolivie vient d'accréditer le centre de formation comme centre d'éducation permanente, et cela l'engage donc dans la prise en charge des salaires des professionnels boliviens qui vont venir travailler dans le centre de formation. De la même façon, donc, nous avons entrepris donc, une démarche auprès de la municipalité de Tarabuco, qui, comme pour la plupart des écoles et des centres de formation en Bolivie, devrait passer entre les mains de la municipalité. La municipalité devrait devenir peu à peu donc, propriétaire du centre de formation et s'engager évidemment sur la prise en charge des frais de fonctionnement, mais aussi avec la responsabilité de construire de nouvelles formations. Et cela, bien sûr, en relation avec les institutions d'État qui financent des projets de terrain que dans la mesure où cela passe par la municipalité locale, qui est en fait l'interlocuteur des institutions d'État qui financent le monde rural. Donc pour conclure, donc avec le buen vivir, avec le bien vivre, est en jeu donc une utopie pour contribuer à changer donc le monde. Thank you.
des causes, courir en avant, fonder l'amour même, bel homme nouveau, nier le problème, lancer des bateaux, ouvrir une route, cueillir le grand vent, défier le doute, brûler le gréement, atteindre la rive, débloquer le port, débarquer les vivres, débusquer la mort, tricher sur les dates, sauver la maison, avancer sans carte, plaider la passion, inventer de l'âme, gonfler les enjeux, tutoyer le drame, rallumer le feu, renverser la table, nier le destin, croire dans ses fables, retoucher la fin, rallumer de l'homme, se laisser hanter, ramener de l'homme, tout réinventer, ramener de l'homme, cueillir en hiver, réhabiter l'homme, planter dans la mer, parler à mon frère, te prendre la main, quelques pas sur terre, enfant du chagrin, défier les astres, marcher au canon, violer le cadastre, rétablir les ponts, croire dans des choses, l'homme est dans nos mains, boire dans des causes, aimer à sa fin, boire dans des causes, aimer à sa fin, ramener de l'homme, cueillir en hiver, réhabiter l'homme, planter dans la mer, parler à mon frère, te prendre à la main, quelques pas sur terre, enfant du chagrin, défier les astres, marcher au canon, violer le cadastre, rétablir les ponts, croire dans des choses, l'homme dans nos mains, boire dans des causes, aimer à sa fin, boire dans des causes, aimer à sa fin, boire dans des causes, aimer à sa fin.